Mon frère, ma soeur, dis avec moi, Seigneur Jésus, cette nuit je te touche. Cette nuit je touche ton vêtement. Cette nuit je te touche. Que ce problème que j'ai, que ce problème qui me tracasse, qui me suit, cette situation s'arrête maintenant. Tu es la vie, tu es la lumière, tu es la résurrection. En te touchant, j'obtiens ma délivrance. En te touchant, j'obtiens ma restauration. Personne ne peut te toucher malade et rester malade. Personne ne peut te toucher possédé et rester possédé. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je te touche, Seigneur Jésus, cette nuit. Oui, je te touche, papa. Laisse-moi toucher par toi. Je veux te toucher, oui, comme cette femme. Je veux te toucher parce que je t'ai touché, Seigneur Jésus, que je vois le changement dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Que je vois le changement dans ma vie. Que mon fils soit délivré, restauré, sauvé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La perte de sang s'arrêta. Dis, cette situation que je traverse s'arrête aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que j'ai touché le Seigneur, je l'ai touché de tout mon cœur, de toute ma force. Ce problème spirituel de mon fils s'arrête aujourd'hui. Ce problème spirituel disparaît de ma vie définitivement cette nuit. Seigneur Jésus, en te touchant maintenant, je suis délivrée de la stérilité. En te touchant maintenant, j'obtiens le travail que je recherche depuis longtemps. En te touchant maintenant, ta lumière entre dans ma famille. En te touchant maintenant, mon mariage est restauré. En te touchant maintenant, je sors de cette prison spirituelle. En te touchant maintenant, je suis guérie de cette maladie. Alléluia! Aujourd'hui, ce problème s'arrête parce que j'ai touché le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ma famille, pour ma maison, pour mon conjoint, pour mes enfants. Ce problème s'arrête.